Morgan, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Nishmat avant Mordechai ben Israël, Befani et Dvorah Batester, ainsi que le Refouat Amram ben Masoudi, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Yevamot, Perek Tet, Mishnah Bet. Ve Elu Mutarot le Yiv, Meyen, Ve Asurot le Baalehen. Kohen Gadol, Shiki, De Eshet Almana, Ve Yashlo Ach Kohen Eliot. Kasher, Shenasa Halala, Ve Yashlo Ach Halal. Israël, Shenasa Mamzeret, Ve Yashlo Ach Mamzer. Mamzer, Shenasa Bat Israël, Ve Yashlo Ach Israël. Mutarot, Leiv Men, Vasurot, le Baaleen. En fait, il y a une première pause ici, on s'arrête pour d'abord expliquer le. Très simple, d'accord? D'ailleurs, j'avais oublié d'introduire une mishnah précédente. C'est. La plupart de ces mishnahs de ce chapitre vont être des choses connues et simples. Tosot explique au début de ce Pérec que. C'est après avoir étudié un sujet complexe, alors, les Tanaïm, Rabbi Yodan aussi, il a fait un pérec simple de manière à répéter tous les titres essentiels qui ont été dits, de les manipuler, de les retenir bien comme il faut, parce que se rappeler de tellement de détails, avec des situations tellement complexes, on risque d'oublier, et afin de se rappeler, il fallait apprendre à l'époque les Mishnah par cœur, ne pas les oublier. Donc du coup, il nous a fait un chapitre en donnant une petite synthèse de toutes les halakhot qui en sortaient, d'accord? Maintenant, donc on était dans la mishnah précédente où on avait introduit qu'on allait avoir maintenant dans cette première partie du chapitre qu'on allait découvrir quelles sont qu'il y a des femmes qui sont deux frères, Reuven et Shimon, et Reuven est marié à une femme qui soit lui est permise et quand il décède elle est permise à son frère, soit elle est permise à lui mais interdite à son frère, ou elle est interdite à lui, elle est permise à son frère, ou interdite aux deux. C'est la mishnah qui vient compléter ça. Et notre Mishnah va nous dire comme ça, « Ve'elum mutarot le'iv me'en ve'asurot le'ba'alehen » Telles sont les femmes qui sont permises à leur yavam, et elles sont interdites à leur baal. Si on a une situation avec une femme, un mari qui était avec une femme, que lui n'avait pas le droit de rester marié avec elle. Il transgressait un interdit chaque fois qu'il restait avec elle. Quand il décède, malgré tout, même, elle était mariée, c'était sa femme. Quand il décède, maintenant sa femme tombe en hiboum devant son frère, et il s'avère que son frère, lui, il n'a pas cet interdit qui est chez son... chez le défunt, lui, cet interdit est levé par rapport à lui, et bien il aura le droit de faire le hiboum. Donc telles sont les femmes qui sont permises à leur yabam, tandis qu'elles sont interdites à leur mari. Premièrement, on a Kohen Gadol, chez Kidesh et Almana, Veyash Loach Kohen Ediot. Mais prenez un cas d'un Kohen Gadol, chez Kidesh, qui a donné des Kiddushin à une femme Almana, à une veuve, tandis que son frère est un Kohen Ediot. Soit un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Si ce Kohen Gadol va se marier avec une Almana, la femme elle est mariée. D'accord? Maintenant, s'il a donné des Kiddushin, donc elle est mariée. Si elle a donné des Nisouin, c'est-à-dire qu'il est parti avec elle et s'est isolé avec elle, il s'avère que maintenant, elle est même devenue Halala. Là, la Mishnah va parler du cas de Kohen Gadol, il a juste donné les Kiddushin, et puis, juste après la Koupa, le Kohen Gadol, il est décédé. Il était puni du ciel d'avoir transgressé un interdit comme ça. Il s'avère que maintenant, sa femme va tomber devant son frère, du Kohen Gadol, qui est un Kohen idiot. Le Kohen Ediot, il a le droit de se marier avec une veuve, c'est parfait, il a le droit de se marier avec elle. On a une situation, on a une femme qui était interdite au défunt et qui va être permise au Yabam. Deuxième situation encore, c'est Kasher Shenasa Halala Veyeshlo Achalal. On a encore une autre situation qui avait il y avait deux Kohanim, deux frères, Reuven et Shimon, qui étaient de deux mères différentes. Reuven, c'était une femme, le fils d'une mère. Tout à fait normal, aucun problème. La deuxième, chez Shimon, c'était le fils d'une femme divorcée et que son père Cohen s'est marié avec une divorcée. Or, un Cohen ne peut pas se marier avec une divorcée, s'il se marie avec elle, il va donner naissance à un halal. Donc, on a maintenant deux frères de père, donc qui ont la maison de hiboum entre eux. Un qui est un Cohen cacher et un autre qui est un Cohen halal. Si maintenant, le Cohen, Reuven, le bon Cohen, s'est marié avec une mauvaise femme, une halala, une femme qui était profanée, souillé. Et donc il se marie avec elle, après il décède, et cette femme-là va tomber devant son frère qui est lui-même halal, donc il le droit de se marier avec la halala. Et bien la Mishnah va me dire, ben, elle est interdite à son frère, mais elle va être permise au Yabam. Ok? Même principe encore avec Israël Shenasa Mamzeret Veyashloach Mamzer. Il y a deux frères qui sont Israël, du même père, mais de deux mères différentes. Un, c'était une bonne maman, l'autre, c'était une mauvaise maman, c'est la voisine. Donc le deuxième frère, c'est un Mamzer. C'est un bâtard. Malgré tout, ils sont frères de père. Donc, ils ont la maison de hiboum entre les deux. Imaginez maintenant que le frère de la bonne maman,
s'est mariée avec une autre mamzeret, une bâtarde, elle aussi, qui est d'une union interdite. Il s'avère que maintenant, il a une femme qui lui est interdite à lui. Mais lorsque lui va décéder, si elle va tomber en Iboum devant son frère qui est lui-même mamzer, elle a le droit de faire la misère de Iboum avec cette mamzeret. D'accord? Donc ça c'est mamzer chez Nassa bat Israël, veyashlo ach Israël. Dans toutes ces situations, Ah, excusez-moi, j'ai sauté le cas. Je reviens en arrière. Israël chez Nassa mamzeret veyashlo ach mamzer, et encore, situation inverse, c'est qu'il y avait les deux frères, on a dit Reuven et Shimon, cette fois-ci c'est le mamzer qui s'est marié avec une bat Israël. Il n'a pas le droit de rester avec marié avec elle. Maintenant, il a pas le temps de divorcer, qu'il est déjà mort. Et cette bat Israël va tomber devant son frère, il pourra la prendre. Il pourra se marier avec elle, parce que c'est un Israël, Israël. Donc ça, c'est le dernier cas de Mamzer, chez sa bat Israël, un Mamzer qui s'est marié avec une fille d'Israël, Yeshloach Israël, et qui a un frère d'Israël tout à fait normal. Le Mamzer, il a un frère tout à fait normal. Et ben, s'il a se marié avec une femme, de manière interdite, qu'après il va décéder, cette femme-là va être remise à son frère. Ok? Ensuite, et on apprend maintenant, Mamzer chez Nassa bat Israël, Vieshloach Israël, on conclut, donc tout, dans toutes ces situations-là, c'est des moutarot les yvemen, vassorot les balen. On a maintenant découvert donc les situations où les femmes sont permises à leur yabam, tandis qu'elles étaient interdites à leur mari. Ensuite, autre situation, assurot les elou, ve les elou, des femmes qui sont interdites à lui comme à lui, à tous les frères. Alors, quel est le cas? Kohen Gadol chez Nassa et Almana, Vieshloach Kohen Gadol. Oh, Kohen Idiot, imaginez maintenant qu'on a un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Almana, avec une veuve. Il s'est marié quand on a dit, cette fois-ci on a dit chez Nassa, pas chez Kidesh. Il s'est marié avec une veuve, donc il a même rendu Halala. Et ce Kohen Gadol, il a un frère, soit qui est Kohen Gadol lui-même, aussi. Et, ou soit qui est un Kohen Idiot. Ça revient au même. Parce que maintenant, tant qu'il s'est, si il s'est marié avec cette femme alors qu'il avait le droit de se marier, il a rendu Halala, il l'a profané et elle devient interdite à tous les Kohen. Donc on a une femme qui va être interdite à lui comme à son frère. Encore autre situation. Kacher shenasa halala veyesh lo ach kacher. Encore un autre cas plus simple. Tout aussi simple. Un kacher, un bon Kohen, qui se marie avec une halala. Donc il n'a pas le droit de rester marié avec elle. Il doit la divorcer. Il n'a pas le droit de divorcer qu'il est déjà mort. Veyesh lo ach kacher. Et il a un frère qui est kacher, lui aussi. Donc il n'a pas le droit de se marier avec la halala. Et de nouveau, dans cette situation, on a une femme qui est interdite aux deux, même s'il faut lui faire le hiboum ou la chalitza. Ou encore, Israël, shenasa mamzeret veyeshloach Israël. Ou encore un Israël qui se marie avec une mamzeret, c'est la fille de cette fois-ci qui est une bâtarde, et lorsqu'il meurt, ben, la fille, comme elle est interdite devant le frère, elle est interdite aussi devant le frère, parce que ça c'est une bonne famille de bonne souche par rapport à l'autre, et malgré tout, donc cette femme, elle sera interdite aux deux frères, de nouveau, d'accord? Ensuite, on a Mamzer chez Nassa bat Israël, Veyashlo Ach Mamzer. Encore un autre cas, c'est que c'est un frère Mamzer qui s'est marié avec une bat Israël, avec une femme toute normale, donc il n'a pas le droit de se marier, la femme n'a pas le droit de se marier avec lui. Veyashlo Ach Mamzer, et lui, ce frère-là, il a un autre frère Mamzer. Le père, c'est un Mzorob, il tournait avec tout le monde. Et il a eu des enfants avec tout le monde. Maintenant, c'est deux frères de père, ils ont un visa de Iboum, et ça veut dire que maintenant, elle était interdite aux deux, parce qu'elle était normale. Dans toutes ces situations, donc c'était Asurot, la Elou, Vel et Elou. Tu as vu le cas où elles sont interdites aux frères qui est défunt. Elles étaient permises ou interdites aux défunts. Et après, permises ou... D'accord, je ne sais pas si je me suis dit. Ok. Asurot, la Elou, Vel et Elou. Oucha, maintenant. Et la Mishnah conclut maintenant. Donc toutes ces situations, c'est des Asurot, la Elou, Vel et Elou. Elles sont interdites aux deux. Ensuite, Oucha, Kolanashim. Et toutes les autres femmes qu'on n'a pas évoquées dans toutes ces deux longues Mishnayot, à découvrir des femmes qui sont permises à l'un, interdites à l'autre, interdites à l'un, permises à l'autre, interdites aux deux. Maintenant, on va découvrir le cas qui sont toutes les femmes permises, et bien c'est tout simple, c'est Mutarot, ou Charkonachim, toutes les autres femmes, c'est-à-dire tous les cas qui n'ont pas été évoqués dans la Mishnah, et bien là-bas, Mutarot, les baleines, Velimen, on aura des femmes qui sont permises au mari comme au Yavam aussi. Et c'est tout pour lui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov Salam.